Bienvenue sur Rock Moderne et je vous avais promis une dernière vidéo avant la fin des vacances sur un arrivage d'un port japonais originaux, donc du début des années 80, en provenance de Tokyo au Japon, donc de chez Record City. Voilà, donc ils me gratifient toujours d'un petit sticker. Voilà, et des fois je le colle d'ailleurs sur une pochette. Alors on va commencer par un disque que j'ai. Qui a été détruit, qui a été perdu. En fait, j'avais jeté certains disques qui étaient très abîmés et donc je les avais complètement bousillés, ces disques. Et dans le lot, il y avait ce disque que j'avais acheté en 1981, je crois, à Montpellier, quand j'étais étudiant à l'époque en pressage français, du groupe Ipu Do. Et il s'agit de leur titre en synth-pop, toujours électro Radio Fantasy. Ouais, voilà. Et donc un excellent disque, j'étais content de retrouver chez eux parce qu'on peut grouper pour 14 euros, vous avez donc les frais de port qui sont en promotion. Il y a un discount très important sur les frais de port, plus vous en achetez chez eux. Donc c'était intéressant. Et en plus, donc il s'agit toujours pareil, de disques qui sont en super bon état. Voilà. Donc, je montre ce groupe japonais, Synthpop. Et je vous avais déjà présenté leur premier album, aussi électro Synthpop, New Wave, je dirais même. New Wave, qui est assez bon, qui s'appelait Real, d'ailleurs. Leur premier album, normal, je ne l'ai pas. Je l'ai peut-être trouvé moins bon, je ne sais plus. Donc, il y a eu Real, normal, donc de 1980, 81. Celui-ci est à cheval, oui, donc 81. Donc en fait, ils ont sorti pas mal d'albums entre 79 et en 80, deux albums en 80. Et cet album en 81 était sorti en France en 82. Voilà, toujours un petit décalage. Donc vous voyez, l'état, super bêta, super emballage aussi, parce que je leur demande de plus en plus de les emballer, car les coins, des fois, il y a des petits patchs sur les coins. Chez Epic, bien sûr. Epic, alors au Japon, c'était distribué par Sony Music et CBS. Bien sûr, en France, Epic. Vous voyez, c'est vraiment des disques qui sont hyper impeccables, qui n'ont pas été nettoyés. Voilà, vraiment, celui-ci est neuf. Vraiment, vraiment neuf, même au projecteur. Aucune griffure ni rien. Et vous voyez, le cellophane, la pochette antistatique d'origine est impeccable. Alors, l'avantage, je crois qu'on avait une pochette intérieure équivalente, mais sans la version, évidemment. Voilà, on avait ça comme pochette intérieure. Ceci, et là, on a un petit poster avec le côté japonais, évidemment, comme d'habitude. Voilà. En plus, ça s'adressait essentiellement pour le marché japonais, mais ça a été édité sur le continent américain, le continent européen. Très bon disque, un peu avant-gardiste dans le groupe dans le style de Yukihiro Takahashi, le chanteur de Yellow, du groupe Yellow Magic Orchestra. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire. Alors là, on saute pas du coq à l'âne, mais justement, quand on parle de Yellow Magic Orchestra, on parle aussi du groupe Japan avec David Sylvian. Voilà. Je regarde David Sylvian, voilà, c'est ça, produit par. C'est ça. Alors, c'est, je crois, leur deuxième album, je ne l'ai pas. Et je ne l'avais pas en pressage japonais, et là, je l'ai trouvé en mint condition. Voilà, toujours à des prix défiant toute concurrence. Vous vous rendez compte des disques qui sont neufs. Voilà, je vais vraiment vous le montrer dans le détail. Vous voyez, c'est des disques qui sont neufs pour une quinzaine d'euros, peut-être même moins, je ne sais plus. 14, environ 15 euros. Vous avez des disques qui sont neufs, de chez neufs. Voilà, des disques originaux qui ont plus de 40 ans, puisque c'était sorti celui-ci en 1979. Voilà, avec bien sûr Quiet Life. Et All Tomorrow's Party, notamment. Voilà, donc je vous renvoie à ma vidéo discographique sur le groupe Japan. Et ce disque, ce LP, donc Quiet Life, va enrichir ma collection. Voilà, enrichir ma collection, je vous le remonte parce que c'est vraiment une pièce de musée. Un disque original qui est neuf comme ça, c'est vraiment fabuleux. Et on a évidemment, oh là là,
J'ai pas rescotché par malheur ces pochettes, mais qui se préservent bien les disques quand même. Et voilà, donc le leaflet, ou la leaflette si on dit en français, mais leaflet. Voilà, version anglaise et version japonaise. Voilà, c'est pas un groupe japonais, hein, je le dis. Groupe anglais, New Wave, Synth Pop, voilà. Donc, chez Hanza, je pense, je vois le sigle Hanza. Donc, chez Victor et sous licence Hanza, c'est ça. Licencié par Hanza Productions, Angleterre. Voilà, donc de 79. Rendez compte, ce disque a 43 ans. Oh, il y a peut-être eu des rééditions un petit peu plus tardives, c'est possible, mais au moins une quarantaine d'années, ça c'est sûr. Voilà. Vraiment, ça, moins cher, deux fois moins cher que le pressage, la réédition neuve. Enfin, c'est fou. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire sur Japan. Ensuite, le deuxième album des Fine Boys 3 de 1983, donc, qui s'appelle Waiting, avec The More I See, The Less I Believe, et Summertime aussi. Summertime, et je pense qu'il y avait Our Lips Are Sealed dessus aussi. Voilà. La reprise des Go-Go's, je regarde. Ouais, Our Lips Are Sealed, donc trois singles. Et The Tunnel of Love, donc il y avait quatre maxi que je vous avais présenté d'ailleurs. The Tunnel of Love, Our Lips Are Sealed, avec les Bananarama d'ailleurs. Et donc The More I See, The Less I Believe, sur la guerre dans le monde. Et les ruines, ça fait penser un peu à l'Ukraine d'ailleurs, cette pochette de disque. Et Summertime aussi, très bonne reprise également. Donc, chez Chrysalis. Donc, chez Chrysalis, c'était RCA qui produisait ça, 1983. Là aussi, très beau disque. Vraiment des exemplaires neufs. Pas facile à trouver quand même, comme ça en lot, ces disques. Hein, parce qu'à l'unité, vous pouvez éventuellement les trouver, mais on ne sait pas si l'état va être si extraordinaire que ça. D'abord, ça le problème. Avec évidemment le leaflet, le groupe. Alors, produit par David Byrne des Talking Heads. Voilà, ça je le fais de mémoire. Hein. Voilà, avec le chanteur du groupe des Specials. Voilà. Je regarde un petit peu s'il y a des renseignements. Donc. Vous voyez, ces pochettes sont vraiment impeccables. Impeccables, impeccables. Arrivés dans un état impeccable aussi avec lobby. Ils sont complets. C'est vraiment des, pour moi, ce sont des pièces de musée, des pièces de collection. Ensuite, Thompson Twins, Lay Your Hands on Me. Alors, je vous avais montré la version américaine de cette pochette. Ça, c'est la version extended, c'est pas l'US version qui était sortie fin 1984. Donc, c'est la version anglaise, UK version, extended version. Voilà, chez Arista, comme toujours, parce que Arista avait l'exclusivité du pressage, de la distribution du pressage des Thompson Twins depuis le début. Voilà, donc je vous montre. Entrée. Tom Bailey, ici. De mémoire, tout ça, bien sûr. Voilà. Voilà, Tom Bailey, évidemment. Alex Atkin, Nile Rodgers. Et Tom Bailey. Très belle voix. Donc, je vous le remontre. Donc, on a la version. La version single, voilà, ça c'est un petit plus par rapport à la version anglaise et la version extended. Voilà. Alors j'avais la version américaine scellée et là, donc il est décellé celui-ci et c'est la version japonaise. Aussi pas facile à trouver tout ça. C'était courant autrefois, mais avec cet hobby comme ça, dans cet état-là, c'est quand même incroyable quoi, de pouvoir avoir. On montre un petit peu tout ça, tracklist, les crédits, c'est pas mal du tout tout ça.
Et on va finir par une BO aussi qui est pas difficile à trouver, mais celle-ci est en mint condition, un excellent état. Donc 2010, c'était la suite de 2001, mais une suite piteuse, dirons-nous, que j'ai trouvé piteuse, qui était sortie au milieu des années 80. Et là, donc, c'est la version originale de cette BO, non pas de 2001, mais de 2010. De 2010, mais pas sortie en 2010, évidemment. C'était la suite qui était imaginée pour 2010, hein, donc 10 ans après 2001. Mais 2001 était sorti en 1969 de Stanley Kubrick. Et là, il s'agit de 2010, sorti en 1980. Alors, j'espère que je vais avoir l'année. Ben, il n'y a rien qui est marqué. Hein. Voilà, par Andy Summers. Voilà. Mais je l'avais vu dans les années 80, ce disque. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire dessus. Voilà. La production, tout ça. Les acteurs. Produit par Richard Rudolph. Voilà. Score produit par Greg Huxley et David Shire. Voilà pour le score. Là, je vais vous le montrer. Donc, chez AEM Records. Très bon pressage. Ils en avaient un autre en moins bon état. Voilà. Donc, moi, j'ai pris celui qui était en excellent état. Voilà. Avec, c'était signalé qu'il y avait une petite ombre sur le liner. Bon, l'autre, il y avait des marques sur le disque, mais par contre, le liner est en meilleur état. Mais j'ai préféré privilégier le pressage. Il y a une trace de jaunissement. Je pense que c'était sorti de la pochette et il y a eu un jaunissement de la pochette. Mais l'essentiel, c'est d'avoir le liner, ce qu'on appelle le liner au Japon. Voilà donc ce que j'avais à vous présenter en disque d'occasion, disque originaux. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois les disques donc neufs en électro disco pop rock indépendant notamment. Il y aura au moins une, deux ou trois vidéos. Alors, repassez de. Je vous souhaite encore de passer de bonnes et excellentes vacances et de bien décompresser et d'en profiter. Salut, à bientôt.